Bienvenue à tous dans notre émission consacrée au jubilé de la miséricorde à Tahiti. C'est en effet par milliers que les pèlerins ont déjà répondu à l'invitation du pape François de demander et de célébrer le pardon de Dieu au cours de cette année spéciale qui a débuté le 8 décembre dernier et qui doit s'achever le 20 novembre prochain. Poussés par leur esprit communautaire, les fidèles de Tahiti ont voulu la plupart du temps franchir les portes jubilaires en paroisse ou en groupe, bien que le pardon soit une démarche personnelle et individuelle. Rappelons que le diocèse a désigné deux églises comme lieu de pèlerinage, l'église Mariano Tejao de Papeete, ainsi que l'église du Sacré-Cœur de Marie à Tarawao. Nous avons suivi pour vous le pèlerinage des quatre communautés de Moorea ainsi que celui des adolescents organisé par le comité diocésain de la pastorale des jeunes. Voici pour l'heure le groupe de 1000 pèlerins venus de Moorea après une préparation spirituelle particulièrement soignée. Chaque communauté regroupe plus de 500 personnes. Donc on a essayé de faire le maximum pour que tout le monde participe. Voici la porte du Seigneur. Entrons pour obtenir la miséricorde et le pardon. La préparation spirituelle, c'est des rencontres les vendredis, vendredi soir à travers des enseignements. Et c'est aussi l'occasion pour le temps de carême aussi de parler un petit peu de, justement de cette année de la miséricorde, de la réconciliation. Voilà, on a eu quatre thèmes. Hein. On a parlé ce temps du carême. On a eu le premier thème, c'est le Fils miséricordieux, donné par le diacre Patrice. Ensuite, le Père miséricordieux, que diacre Mariano a donné. Ensuite, j'ai donné aussi l'Eucharistie, qui est le sacrement de l'amour, le sacrement de la miséricorde. Et le Jacques, hier soir, a donné le dernier enseignement sur le pardon. Et Jésus manifeste aussi sa miséricorde par son attitude envers les pécheurs. Il les accueille, mange avec eux, au grand scandale des pharisiens. Il pardonne les péchés et il déclare qu'il n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Cependant, dans son attitude envers les pécheurs, il n'y a nulle complaisance envers le péché. Ce qu'il veut, c'est appeler les pécheurs à la conversion. À la femme qui a été surprise en train de commettre l'adultère et que les pharisiens s'apprêtent à lapider et que Jésus a sauvé de la lapidation, Jésus pose la question. Femme, personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Il ne dit pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est grave. Et Dieu est miséricordieux. Va et ne pêche plus. Et le soir de sa résurrection, Jésus institue le sacrement du pardon. Jésus leur dit, comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Jésus est venu pour sauver les hommes du péché et il envoie ses disciples pour la rémission des péchés. Mais en même temps, Jésus manifeste qu'il y a des conditions pour recevoir le pardon. Les péchés seront pardonnés à ceux à qui vous les pardonnerez, mais ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Il y a donc des conditions. Celui qui ne veut pas se repentir ne peut pas être pardonné. Même s'il est tombé 10 fois, on peut lui pardonner si vraiment il a l'intention de faire des efforts. Mais celui qui vit, qui veut continuer à vivre dans son péché, celui par exemple qui a volé des millions
et qui ne veut pas les rendre, qui veut les garder. On ne peut pas le pardonner. Celui qui vit dans l'adultère et qui ne veut pas qu'on cesse, on ne peut pas lui pardonner. Et la première chose nécessaire pour être pardonné, c'est de reconnaître ses péchés. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, Dieu ne peut pas nous pardonner. Rappelons-nous la parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien a fait exposer complaisant de ses mérites. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Moi, je donne la dîme de tous mes biens. Moi, je fais, moi, je suis. Tandis que le publicain, lui, se frappait la poitrine en disant, « Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis. » Et Jésus nous dit que le pharisien, il est retourné comme il était venu avec ses péchés. Tandis que le publicain, il a été justifié. Il est devenu juste. Ça veut dire, on lui a pardonné ses péchés et on lui a donné une force pour ne plus retomber dans ses péchés. Il y a une chose que beaucoup de chrétiens ne savent pas, c'est que l'on doit réparer le mal que l'on a commis. Par exemple, je dois rendre ce que j'ai volé à son propriétaire. Si j'ai fait du tort à quelqu'un en disant des choses fausses à son sujet, je dois reconnaître que ce que j'ai dit n'était pas vrai. Et je dois aussi réparer le mal fait à Dieu. Mais comment réparer le mal fait à Dieu ? Eh bien, qu'est-ce que c'est que le péché ? Le péché, c'est un manque d'amour envers Dieu. Comment je vais réparer ? Par beaucoup d'amour. Et donc, je vais réparer mes péchés, par exemple, en manifestant à Dieu un grand amour, en faisant des œuvres de miséricorde, en donnant aux pauvres, en soignant les malades, peu importe. Mais c'est comme ça que petit à petit, nous réparons nos péchés. Et si dans notre vie, nous n'avons pas réussi à réparer nos fautes et que nous mourons, même si on nous a pardonné tous nos péchés, il faut réparer. Si on n'a pas réparé ici, il faudra réparer au ciel. Pas au ciel, avant d'entrer au ciel. Et cependant, l'Église, qui est miséricordieuse, à certaines occasions, comme cette année, nous offre un moyen de réparer par des moyens faciles, parce qu'elle est miséricordieuse. C'est ce qu'on appelle l'indulgence. Au lieu de faire des années de pénitence, de réparation par des bonnes œuvres, on nous permet, par quelque chose de très facile, faire le pèlerinage, faire des œuvres de miséricorde, se confesser, tout ça, on permet de réparer tous nos péchés. C'est quelque chose d'extraordinaire, même ça paraît trop facile, scandaleux, mais non, c'est que Dieu est miséricordieux et l'Église doit être miséricordieuse et de temps en temps, on nous offre ces moyens pour nous et pour les défunts. Et c'est pourquoi il faut en profiter. Parce que réparer par beaucoup d'amour, c'est pas facile. C'est plus facile de manquer d'amour que d'avoir beaucoup d'amour. Alors, profitons de ces années de miséricorde pour obtenir l'indulgence. Et cette année doit être pour nous tous, une année de conversion, une année où nous répondrons pleinement à l'invitation de Jésus, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Prenons les choses au sérieux. Et ne pensons pas seulement à nous, prions et agissons pour amener d'autres à se convertir.
que ce soit vraiment une année de conversion. On va voir un peu comment. Mais tout ça, ça commence toujours par reconnaître que l'on est pécheur, reconnaître qu'on a besoin du pardon, de la miséricorde de Dieu. Trop souvent, les confessions sont mal préparées. L'examen de conscience a été bâclé. Parfois, on essaye de minimiser la gravité des fautes qu'on accuse. On essaye de prononcer la faute que l'on veut dissimuler de façon inintelligible. Certains, accablés par la honte, surtout des jeunes, n'ont pas eu le courage de confesser certains péchés qui continuent à les tourmenter. Ou bien ils les ont mal confessés. Eh bien, cette année sera l'occasion pour eux de se libérer de ce poison qui les ronge, cracher ce poison. Mais une fois qu'on a vraiment confessé son péché, une fois qu'on a été pardonné, c'est fini. La miséricorde de Dieu nous a purifiés. On ne va plus revenir quand sans cesse. Cette année encore, nous aurons la possibilité d'obtenir des indulgences. C'est une possibilité que nous ne devons pas négliger, mais qui doit être bien comprise. Comme je vous l'ai dit, nous devons réparer nos fautes, réparer le tort qu'on a fait au prochain, réparer le tort que l'on a fait à Dieu. Et je vous l'ai dit, en faisant de bonnes actions. Puisque le péché est un manque d'amour, je peux réparer en faisant des actes d'amour. Lorsque vous allez vous confesser, le confesseur vous donne une prière de réparation. Mettons qu'il vous dit « Trois fois notre Père, trois fois je vous salue ». Eh bien, ce n'est pas beaucoup, mais il faut le faire. Et il faut le faire en esprit de réparation. Même si c'est tout petit, si vous le faites vraiment en signe de votre volonté de réparer, c'est déjà quelque chose, c'est important. Ce n'est pas quelque chose de facultatif ou qu'on peut... Non, même si c'est petit, même si on vous a donné un « Je vous salue » comme prière de réparation, il faut le faire avec amour en réparation. Après, vous ferez davantage. À cela s'ajoutent tous les actes d'amour envers Dieu et le prochain. Par exemple, les œuvres de miséricorde. Les souffrances supportées courageusement avec résignation. Lorsqu'on souffre, ce n'est pas que Dieu aime la souffrance, mais ça fait partie de notre condition. Alors on peut souffrir en se plaignant, en maudissant Dieu, ou bien on peut souffrir en disant au Seigneur, ben voilà, je vais essayer de rester joyeux, je vais essayer de vivre cette souffrance comme toi tu as vécu tes souffrances. Toi aussi tu as souffert et tu as vécu tes souffrances avec amour. Je vais essayer moi aussi, aide-moi. Si nous n'avons pas fini de réparer pendant notre vie, nous devrons réparer le mal que nous n'avons pas réparé dans le purgatoire. Le purgatoire, c'est un lieu de joie et de souffrance. De joie, parce que ceux qui sont au purgatoire savent qu'ils seront un jour avec Dieu. Ils sont heureux parce qu'ils sentent déjà qu'ils seront avec Dieu un jour. Et en même temps, c'est un... Oui, parce que leurs yeux se sont ouverts et maintenant ils comprennent l'importance de Dieu. Maintenant, ils le désirent de toute leur force et ils savent qu'ils seront avec Dieu un jour. Mais en même temps, il y a la souffrance. Souffrance de devoir attendre encore pour le voir, et souffrance d'avoir été si ingrat, si méchant envers lui qui était si bon. Alors l'Église nous offre des moyens exceptionnels de réparer nos péchés, alors que nous sommes encore sur terre, ce sont les indulgences. Une indulgence, c'est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés, dont la faute est déjà pardonnée. Il faut que la faute soit pardonnée. La peine temporelle, c'est le temps mis par le juste
pour réparer les péchés commis par les actes que nous avons énumérés. L'indulgence peut être partielle ou plénière. Partielle et plénière quand elle achève complètement la réparation. Alors, voici les conditions générales pour avoir une indulgence. Il faut être catholique ou baptisé, être vrai célibataire ou bien marié à l'Église, être en état de grâce, se confesser dans la semaine avant ou la semaine après. Donc, on peut se confesser 3 jours, 4 jours avant ou bien 5 jours après. Communier le jour même, exprimer son désir de renoncer au péché, même véniel. Ensuite, il faut faire une prière pour le souverain pontife, très courte, à notre Père, par exemple. Et on ne peut obtenir l'indulgence qu'une seule fois dans la journée. On peut obtenir l'indulgence pour soi ou pour une personne défunte, mais pas pour un vivant. Peut-être certaines femmes aiment beaucoup leur mari, puis il n'est pas très... Alors elles veulent faire l'indulgence pour lui. Non, parce qu'il dit encore, c'est à lui de travailler. Vous pouvez faire pour vous ou pour un défunt. Ensuite, il faut accomplir l'acte spécifique prévu pour gagner cette indulgence. Cette année, il faut faire un pèlerinage et passer par la porte de la miséricorde, ou bien, si on ne peut pas, faire une œuvre de miséricorde. Vous, c'est clair, vous êtes passé par la porte de miséricorde, vous avez fait un pèlerinage sérieux, vous avez fait ce matin 1 km 600, plus la traversée par Montréal, c'est sérieux ça. Vous avez fait un vrai pèlerinage, donc ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ce qui ne vous empêche pas de faire encore des œuvres de miséricorde. Alors, il y en a peut-être qui vont dire, mais moi je ne peux pas, je ne suis pas catholique, alors je suis là pour rien. Ou un autre qui dit, ben moi je ne suis pas encore marié, alors ne vous inquiétez pas. Justement, Dieu est miséricordieux, il voit le fond des cœurs. Et personne ne partira sans avoir été... avoir reçu la miséricorde. Année jubilaire toujours, à Taravao, cette fois, nous avons pu suivre plus de 800 ados et leurs responsables venus de toute l'île. Un rassemblement festif où le chant et l'adoration tenaient une place importante et dans lequel le comité diocésain de la pastorale des jeunes avait aménagé un temps de rencontre via Internet avec le pape François lui-même qui célébrait au même moment à Rome une messe pour les ados place Saint-Pierre. Voici en images les temps forts de cette rencontre. Personne, j'ai couru. Il n'y avait mon personne comme
Je sais que vous êtes capable de gestes de grande amitié et de bonté. Vous êtes appelé à construire l'avenir ainsi, avec les autres et pour les autres, jamais contre quelqu'un. On ne construit contre. Cela s'appelle destruction. Vous ferez des choses merveilleuses si vous vous préparez dès à présent en vivant pleinement votre âge si riche de dons et sans avoir peur de l'effort. Faites comme les champions sportifs qui atteignent de hauts objectifs en s'entraînant avec humilité et durement chaque jour. Que votre programme quotidien soit les œuvres de miséricorde. Entraînez-vous-y avec enthousiasme pour devenir des champions de la vie, des champions d'amour. Ainsi, vous serez reconnus comme des disciples de Jésus. Comme ça, vous serez la carte